Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Cadence of Hyrule. Donc aujourd'hui, eh bien écoutez, on va aller déjà explorer ce donjon, ensuite on verra ce qui nous attend un peu plus haut. Allez, c'est parti. Donc déjà, c'est des eaux profondes apparemment. Oh non, je me doutais que ça allait arriver, mais bon, ça fait chier quand même. Ok, j'ai 4 diamants, je peux acheter des bombes, une pelle, ouais bon, rien d'intéressant quoi. Évidemment, on se téléporte juste à côté. On va aller voir là-haut, château. Donc on peut pas y aller. Raté. Oh là là, on n'y a jamais été. Oh, sans déconner. Bon, c'est pas grave. Ah ouais, d'accord, le truc en fait, il one-shoot en deux attaques. On va aller très loin comme ça. Ça m'énerve. Je fais exprès de mourir parce que si j'arrive sans même PV à l'autre, ça sert à rien.
J'ai même pas envie de les affronter, mais le problème c'est que dès que je passe, automatiquement, je suis pile dans le cycle où il est à côté de moi, quoi, donc... Voilà, nickel. Non mais c'est une blague. Je fais le truc sur le rythme et tout et ça marche pas quoi. En plus il peut m'attaquer à distance alors que moi je peux pas, c'est fantastique ça. Voilà, c'est bon. Cool. Ok, là ça va. Ok, c'était chaud, mais je crois que j'ai quasiment tout complété ici en full palais aussi. Ah, mais là, c'est la douche. Ça, c'est sûr.
Ça, c'est un objet qui peut servir. Ok, bon, y a rien à faire là. Tout ce que je peux faire, c'est aller vers le bas du coup. On est où là? Ok. On peut pas en avoir plus de 5. Ok, par contre, ce qui m'ennuie, c'est que j'ai perdu énormément de points de vie. C'est obligé que ça arrive. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes?
Non, mais je pense qu'on va rester comme ça. Nickel. Et mine de rien, j'avance. Ok, on va rentrer là-dedans. C'est une boutique où on peut acheter des choses, mais avec des rubis. Et comme j'ai quasiment aucun rubis parce que je fais que mourir. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, je pense, c'est qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. De toute façon, on est un téléporteur, ça retombe bien. On reprendra dans le prochain épisode à cet endroit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et commenter. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Et du coup, cette vidéo devrait sortir, si je me trompe pas. Alors, attendez, je réfléchis. Soit lundi, soit mardi, en gros. Donc après, on attaquera du Yo-Kai Watch 4, et la semaine d'après, on aura Super Neptunia RPG. Allez, bye bye!